Maumaruto vinovi emajivie matinda weto. Maumaruto vinovi emajivie matinda weto. Wiropo no we imau, wiropo no we dagbelo. Buso da logo nagbelo, sodo alogo nagbelo. Laila ila ila, laila ila 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 la ila. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Après le statut de la femme, nous avons choisi aujourd'hui de vous parler des objectifs du mariage. Vous savez que dans nos jours aujourd'hui, les gens se marient, mais beaucoup à se marier sans savoir réellement pourquoi on se met dans un contrat de mariage. Pour cela, j'ai invité deux de nos anciens invités qui déjà étaient présents lors de la première série de notre émission. En l'occurrence, le missionnaire Abd Aziz Ibrahim de la région de Koubet, bien savoir comme tu le connais. Et le frère Lukman Bissiyou, qui est le secrétaire général de la Jamaat islamique Ahmadiyya de Bénin. Comment ça, savoir comme tu le connais. Waalaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le mariage. Quels sont les outils du mariage? Mais avant ça, je voudrais que vous nous définissiez, pour qu'on puisse entendre d'abord ce que c'est que le mariage. Tout ce, je dirais que le mariage, encore appelé nikah, selon la terminologie islamique, parce qu'il faut se départir du sens littéral et de la définition unanime, bien, dans le contexte de la jurisprudence islamique, le mariage ou le nikah est défini comme étant une alliance écrite ou verbale entre deux personnes de sexe opposé qui préservent, qui gardent leur chasteté, c'est-à-dire de façon mutuelle, depuis la naissance jusqu'à la maturité, pour ensuite s'unir et créer, fonder une famille. D'accord? Pourquoi il dit qu'il faut se départir de la définition unanime, de la définition littéraire? Parce que nous sommes dans le contexte religieux. Et lorsque la chasteté, lorsque la vertu n'y est pas, c'est-à-dire que le mariage ne cadre plus avec le contexte, avec la définition, avec la jurisprudence islamique. Donc, c'est pourquoi je veux mettre un accent particulier sur la chasteté mutuelle, c'est-à-dire et de l'homme et de la femme. Vous aurez le temps de vous expliquer ce que c'est que la chasteté. Mais je note dans vos définitions que c'est un contrat qui peut être écrit ou verbal, ensuite entre deux personnes de sexe opposé. Justement. Donc, c'est à voir l'encontre de ce qui se passe actuellement en France, où on parle de mariage pour tous, même pour deux personnes de même sexe. Donc, mais comment ça? Si vous avez quelque chose à dire sur cette définition, on peut passer aux objectifs. Oui, le missionnaire Ibrahim Abdelaziz a longuement expliqué la définition du mariage dans le contexte islamique. Je préfère parler des objectifs. En fait, les objectifs islamiques du mariage sont nobles. Et toute personne sensée qui prend contact, qui s'approprie de ces objectifs-là, il ne fait aucun doute qu'il fera l'effort de réaliser ses objectifs, parce que ces objectifs ont été établis pour le bien-être de l'humanité, pour le bien-être des hommes. D'entre deux jeux, je voudrais citer un verset coranique dans la sourate Ar-Rum, chapitre 30 du Saint-Coran, verset 22. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ce qui suit. A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha. وَجَعْلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعَيَاتٍ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ. Et un de ces signes, c'est-à-dire les signes d'Allah, est ceci, qu'il a créé des épouses pour vous, de parmi vous-même, afin qu'en elles, vous puissiez trouver de la tranquillité d'esprit. Il a mis entre vous amour et tendresse. Assurément, il y a là des signes pour un peuple qui réfléchit. Dieu met en évidence dans ce verset que entre l'homme et la femme, il a mis amour et tendresse.
Le mariage est un moyen d'atteindre la tranquillité de l'esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que lorsque vous vous mariez, vous avez une satisfaction interne. Parce que sans l'homme, la femme ne peut pas avoir la tranquillité du cœur. Et sans la femme, l'homme non plus ne peut pas avoir la tranquillité du cœur. Dieu nous a créés avec un cœur susceptible d'aimer. Et Dieu nous a demandé, il nous demande de conduire cette qualité naturelle qu'il a mis en nous en une vertu. Mariez-vous pour aimer votre femme. Pour... Pardon? Je comprends qu'il n'y a pas de mariage sans amour. C'est ce que vous voulez faire ressentir. Puisqu'on se marie pour s'aimer. Oui. Et ça garantit la tranquillité du cœur. D'accord, ok. Deuxième, allons-y au deuxième. Aux autres objectifs. En outre, dans le Saint-Coran, dans le Sourate al-Baqarah, le verset 188, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci. أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ رَفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ. La nuit du jeûne, il vous est autorisé, il vous est permis d'approcher vos femmes. Elles sont pour vous un vêtement et vous êtes pour elles un vêtement. Regardez l'expression que Allah subhanahu wa ta'ala utilise ici. Libas, des vêtements. Et toujours dans le Saint-Coran donne des objectifs au port de vêtements. D'abord, le vêtement, quand on porte des vêtements, ça sert à couvrir notre nudité ou si vous voulez, à cacher nos défauts. Ensuite, les vêtements constituent un moyen de nous protéger contre les intempéries, le mauvais climat. Et troisièmement, les vêtements servent d'embellissement pour l'homme. Donc, l'homme est un vêtement pour la femme. L'homme doit essayer d'être ce que les vêtements sont pour le corps. Autrement dit, l'homme doit couvrir les fautes de son épouse, ne doit pas exposer les fautes de son épouse. Autre chose, l'homme doit être un support, l'homme doit être une compassion, de la tendresse, de l'affection pour sa femme. Autrement dit, en temps d'intempérie, nous prenons des vêtements pour nous protéger, l'homme doit être aussi comme ça pour sa femme. Lorsque la femme est dans le chagrin, lorsque la femme est de préoccupation, l'homme doit être un soutien permanent pour son épouse. En dehors de cela, l'homme doit embellir sa femme. Autrement dit, faites l'effort de parler des qualités de votre épouse et évitez d'exposer ses défauts parce que ça peut créer de la frustration. D'autres objectifs. Ça veut dire que par là déjà, comme vous avez demandé quand il a expliqué le premier objectif, ça c'est le deuxième objectif justement qui permet la sauvegarde et la protection contre toute maladie. Parce qu'il a parlé de fait de couvrir notre nudité. Ça protège. Parce que parmi les hommes, Dieu a tellement donné de beauté à certaines personnes que vous, quand vous regardez, vous n'avez plus envie de tourner les regards. Et d'autres maintenant, compte tenu des maladies de la peau, etc., vraiment, c'est déplorable. Donc, ça veut dire que ça protège contre les maladies physiques. Et lorsque nous marions, donc, on n'arrive plus. Et vous savez aussi, il y a des gens qui, à des moments donnés, vont vous faire des analyses médicales. On dit, vous vous approchez de votre époux, quand, de votre épouse, quand. Donc, ça veut dire que physiquement, ça protège. Et aussi, il a parlé du soleil, du climat, de la pluie, tout ça. Alors qu'on porte des chapeaux, on porte des vêtements, la fraîcheur et la chaleur. Comme l'a dit le Saint-Coran, chapitre 16, verset 82. Lorsqu'Allah a parlé que, Allah ou Jale, la kum, mimma khalaka, zila la ngwa Jale, kum min al jibali akinana wajala kum rabila taqikum al harra wa sarabila bainakum basakum kadhalika yutimu nimatahu alaykum la'allakum tuslimun. Que est-ce de ce qu'il a créé? Allah fait pour vous des choses qui donnent de l'ombre. Et dans les montagnes, il a fait pour vous des abris, il a fait pour vous des vêtements qui vous protègent contre la chaleur et des côtes de mailles qui vous protègent contre vos guerres. Donc ça, c'est le deuxième objectif. Nous allons maintenant au troisième objectif. Il y a la procréation et la fourniture d'une compagne. C'est-à-dire qu'on a celle ou bien celui avec qui il faut échanger, il faut partager ces moments de bonheur et de malheur, d'adversité. Et dans cela, Allah parle dans le Coran, chapitre 4, verset 2, à 11 billahi minash shaitanir rajim, wallazi khalaqakum min nafsin wahidatin
وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشى حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. Autrement, ce verset, c'est le chapitre 7, verset 190, et qui se réfère un peu aussi à ce qui est dit dans la sourate Nisa, que ya yu anansu ogu lezon takurabakum lezi khalakonkum minasin wahida. Ogu lezon, créez votre Seigneur qui vous a créé à partir d'une seule âme, minasin wahida. Et de cette âme, il a créé sa campagne et de ces deux-là, il vous a multiplié et vous êtes devenus de nombreux hommes et femmes. Donc la propagation, donc, la procréation et l'expansion de la race humaine. Maintenant, le quatrième objectif, c'est pour que nous pouvons élargir les cercles de parenté. Donc, vous voyez, lorsque deux personnes se marient, vous voyez, les deux familles, quel que soit la distance qui sépare, quelle que soit la région, quel que soit le groupe ethnique, les deux familles deviennent automatiquement une et une seule famille. Et c'est en cela que le Saint-Coran, chapitre 25, au verset 55, la sourate Al-Furqan, verset 55, elle a dit « Wa huwa alladhi khalaqa min al-ma'i basharan faja'alahu nasaban wa sihran wa kana rabbuka qadira. » Et c'est lui, Allah, qui a créé l'homme de l'eau et qui a fait pour lui des parents par descendance, c'est-à-dire des parents biologiques par naissance et des parents par alliance. Donc, alliance, on avait dit dans la définition que le mariage est une alliance écrite ou verbale. Donc, les parents par alliance, il s'agit du mariage. Et le prophète a dit que parmi toutes choses, le mariage est la chose qui élargit la mieux, qui élargit de plus les cercles de parenté, les cercles familiales. Donc, ça, c'est le quatrième objectif. C'est que ces objectifs, certains peuvent dire, comment on peut parler de quatre, parce qu'on a parlé de quatre catégories, de quatre groupes. C'est-à-dire, les autres objectifs, quand vous cherchez à fouiller, se retrouvent déjà dans les quatre groupes. Oui, M. Sam, par rapport aux objectifs, je note que le missionnaire a, avec d'ailleurs ce que vous avez dit, je note quatre grands objectifs qui sont, premièrement, la protection contre les maladies physiques ou morales ou spirituelles. Voilà. La procréation et la propagation, comme le Seigneur l'a dit, de l'espèce de la race humaine. La recherche, n'est-ce pas, d'un compagnon pour la vie et l'élargissement de cette famille. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les mariages que nous célébrons aujourd'hui, est-ce que ça respecte tout ou bien ça, est-ce que l'objectif c'est d'atteindre ces objectifs-là? Non, d'abord, quand vous observez dans notre société, le mariage est miné par beaucoup de choses. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens se marient pour répondre aux commandements divins? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens se marient pour répondre aux commandements divins? Absolument pas. Les gens se marient juste pour où les gens se mettent ensemble, en fait. Est-ce qu'aujourd'hui, le mariage se pratique comme ça devrait se faire? Les gens se mettent ensemble pour satisfaire un besoin. Et après, quand ils ne sont pas satisfaits, ils se séparent. Est-ce que vous voyez? Toutes ces choses-là font que le mariage, en fait, ne permet pas de réaliser l'objectif qu'Allah a assigné au mariage. Qu'est-ce que vous avez à dire sur le mariage que nous célébrons aujourd'hui? Comme on vient de le signaler le frère Lokman, c'est-à-dire que quand nous faisons une analyse de façon honnête, de façon objective, on voit qu'il y a le matérialisme trop poussé qui entrave le mariage contemporain. On veut assouvir ses passions au profit. Et le fait que quand deux personnes se voient sur la voie, je donne, je t'aime, moi je ris, ça me fait rire parce que ce n'est pas l'amour réel, l'affection. Comme nous l'avons défini dans les objectifs, ne s'y trouve plus. Aujourd'hui, il y a le manque de pudeur et l'exhibition de soi. Les femmes, vous voyez, on parle des robes décortiquées, on parle aussi du concubinage. L'homosexualité
que vous avez, non, on va dire même que le manque de sensibilité, de considération à l'égard de son partenaire. Mais le mari ne considère pas la femme est comme un objet, la femme se dit, aujourd'hui, moi, je n'ai pas besoin de lui, que moi aussi, vraiment. Et surtout, aujourd'hui, lorsqu'on pense être des intellectuels, il a étudié, il a tel diplôme, moi, j'ai tel diplôme, pourquoi je vais me soumettre? Or, la nature a voulu que certaines personnes surpasse commande. Maintenant aussi, aujourd'hui, quand on va dans la société, dans les rues, on voit qu'il a le nombre croissant d'enfants adultérés. Et le prophète a dit, ça, c'est l'un des signes de la fin du monde. Les enfants adultérés. Aujourd'hui, les gens disent, je suis célibataire, donc avec deux enfants. Qu'est-ce que cela veut dire? Les enfants hors du foyer ou hors mariage. Mmh, il y a aussi la crise de confiance au sein des foyers, lorsque les gens se marient. Pourquoi normalement l'affaire du mariage, qui est une affection mutuelle, qui est sur l'amour, doit se retrouver dans les tribunaux? Donc, c'est parce qu'il y a la crise de confiance au sein du foyer. Il y a l'individualisme poussé qui amène certains conjoints à s'unir de façon discrète sans l'avis de leurs familles respectives. Je voudrais ajouter quelque chose à ce que le missionnaire Aziz Ibrahim vient de dire. Il y a des gens qui se marient aussi de façon discrète. Deux personnes se rencontrent sans même en informer leurs parents respectifs. Ils s'unissent par les liens du mariage. En fait, cela, par exemple, ne peut pas permettre de réaliser le quatrième jugement du mariage, c'est-à-dire l'élargissement du cercle familial. Et quand vous, de façon discrète, vous estimez que vous ne voulez pas informer vos parents, vous êtes libre, vous êtes mature, vous allez vous unir par les liens du mariage, pas de problème. Mais quand, lorsqu'il y a problème, qui vous aide à résoudre les problèmes, lorsqu'il y a des problèmes, parce que le mariage, c'est des hauts et des bas, et vous devez apprendre à surmonter. Et les parents sont plus aptes, en raison de leur expérience, à vous aider à surmonter les difficultés que vous rencontrez dans le mariage. Difficultés qu'ils ont peut-être vécues. D'accord. Au cours de leur parcours. D'accord, dans, ok. Dans maintenant, je viens maintenant au caractère impératif du mariage. Est-ce que, selon le développement que vous avez fait jusque-là, est-ce que si quelqu'un veut, est-ce qu'il peut ne pas se marier? Est-il obligatoire de se marier? Selon le Saint-Coran, le mariage est un impératif. Et selon le Saint-Prophète Mohammed le Saint-Prophète Mohammed a fortement recommandé qu'un homme, que les hommes se marient. L'objectif, quand on cite les objectifs du mariage, je dis ces objectifs sont nobles et nous devons, coûte que coûte, nous marier afin de garder notre chasteté, afin d'avoir la tranquillité du cœur. Okay. Certains ont décidé d'adopter le célibat à vie, mais ce n'est pas, c'est contraire aux enseignements du Saint-Coran. Par exemple, lorsque vous allez dans le chapitre 57 du Saint-Coran, verset 28, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ceci. A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alayhim illa bitigha'a ridwanillah fama ra'awha haqqa ri'ayatiha. Et le monarchisme, il l'inventaire. Autrement dit, Allah n'a jamais prescrit le monarchisme. Le fait de décider de vivre dans le célibat à vie, okay, comme les moines le font, comme certains moines le font, ils décident de façon volontaire. C'est une décision volontaire. Je ne veux pas me marier dans l'objectif de servir Dieu. Mais comme non, ce qu'on observe du, nous le l'avons. Et Allah répond en fait à ceux qui se sont prescrit le monarchisme. Nous ne l'avions pas prescrit pour eux. Seulement pour rechercher le plaisir d'Allah. Ils se sont prescrit ça pour rechercher le plaisir de Dieu. Mais Dieu ne l'a pas prescrit. Dieu est clair. Voilà. Mais ils ne l'observèrent pas dans l'esprit où c'était voulu. Vous voyez, le Messie premier, alayhi salatu wa salam, l'a dit aussi. Ceux qui ont adopté le monarchisme n'arrivent pas à l'observer de façon rigoureuse, tout simplement parce que c'est pas une prescription divine. Étant donné que c'est pas une prescription divine, il leur arrive très difficilement de l'appliquer. D'accord. Et quand vous allez aussi dans la Bible, notamment dans Timothée, vous voyez des versets bibliques qui encouragent les évêques, par exemple, à se marier. Parce que quelqu'un qui ne peut pas tenir une maison, comment peut-il tenir l'église de Dieu? Dans Timothée, dans 1 Timothée, le verset 1 à 5, mentionne ce fait-là. Vous avez quelque chose à ajouter? Non, surtout au niveau de... Parce que, et le mariage, bien
que cela nécessite le consentement, l'accord des deux conjoints, cette volonté ou cette liberté n'est pas une liberté absolue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mariage forcé, mais ce n'est pas une permission, une liberté absolue pour dire à vie. Parce que le problème, c'est cela. Il a dit « Anika ou misunati ». Il dit la vie conjugale est notre pratique. Celui qui se détourne de notre pratique n'est pas d'entre nous. On trouve dans Sohi Muslim, dans Ibn Majah. Et il a conseillé et un groupe de jeunes, quand il a vu les jeunes, il dit « Yama Sharal Shibab ». Que vous, compagnie des jeunes, quiconque parmi vous a les moyens d'assurer le ménage, il faut qu'ils se marient. Mais il dit, pour, de façon provisoire, ceux qui n'en ont pas doivent jeûner parce que ça calme, ça permet, c'est un moyen de retenir. Qui est provisoire, qu'on ne doit pas prendre de façon perpétuelle. Donc, ça veut dire que le mariage est impérieux et comme... le frère qu'on vient de le dire, ceux qui ont vanté, ils sont poussés par des pédophilies aujourd'hui. Vous voyez ça, ils n'arrivent pas à les gérer parce que tout ce que Dieu a mis dans notre corps, chaque organe a son utilité. Je me rappelle, un jour, quelqu'un demandait au Saint-Prophète Islam, il dit que le prophète parlait de tout acte qui est récompensé. Quelqu'un dit, bon, est-ce que quelqu'un a du rapport conjugal et de façon légale avec son époux, il sera récompensé. Le prophète dit, s'il avait commis l'adultère, c'est-à-dire qu'il avait utilisé de façon inégale, est-ce qu'il ne sera pas châtié? Donc, c'est que tout acte, tout ce que Dieu a créé a son utilité. Le prophète dit, wa atulikuli zi hakin hakoho, que donner à tout possesseur du droit son droit. Chaque partie a son droit. Chaque organe a son utilité. On va revenir au niveau de... Là, vous avez parlé de moyens, pour avoir les moyens pour se marier. Si on a le temps, on va revenir sur ça. Mais je voulais parler des mariages circonstanciels. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens, même des courants, même d'autres courants, même au sein de l'islam, qui soutiennent le fait que circonstanciellement, on peut se marier. C'est-à-dire que le contrat dont vous avez parlé, qui est peut-être dans le temps, de façon temporaire, je ne sais pas ce que vous avez à dire sur ça. Le mariage est un contrat à vie. La définition du mariage en islam, dans le contexte islamique, le mariage est un contrat à vie. On ne se marie pas pour un temps. Ça, ce n'est pas un enseignement du Saint-Coran, et ce n'est pas un enseignement du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on décide de rentrer dans les liens sacrés du mariage, c'est pour la vie. C'est pas pour un an, c'est pas pour deux mois. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas sincère dans toutes ces pratiques-là. Je prends l'exemple aussi de certains migrants dans les pays des Africains qui vont en Occident, qui se marient. Juste pour avoir les papiers. D'accord. Et dès qu'ils sont satisfaits, ils se séparent de la femme. Donc on ne peut pas parler de mariage. Est-ce que vous voyez? Donc, dans toute chose, il faut dès qu'il y a de la sincérité. C'est pourquoi dans le Saint-Coran, l'un des versets qui sont récités au moment de la célébration du mariage, et ce verset-là, A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec franchise et sans ambiguïté. Est-ce que lorsque le verset 33 et le chapitre 33, verset 71, est-ce que lorsque vous voulez vous marier, est-ce que vous voulez vous marier dans l'objectif d'avoir, de régulariser votre situation? Est-ce que vous le dites à la femme? La majeure partie des cas, ils ne le disent pas. Donc, et si on le disait? Même si c'est dit, oui. C'est honnête, c'est franc, oui. Mais ça ne respecte pas les objectifs du mariage. On se marie pour la vie, voilà. On ne se marie pas pour un temps. Parce que si vous vous mariez pour un temps, et les enfants, si par exemple, même que vous voulez des enfants ou vous ne voulez pas des enfants, lorsqu'un enfant survient, vous allez décider de vous séparer, qui va s'occuper de l'éducation de ces enfants? C'est très important. C'est très important. Sur ce point précis du mariage circonstanciel, qui sont fréquents aujourd'hui en Europe. Vous avez dit, vous avez posé une question, vous avez commenté, si c'est décidé de commun accord, quelle que soit sa nature, le mariage est une alliance à vie. Et lorsque le prophète ça s'appelle, il dit Abgadul Halali Indalai Atolak. Il dit de tout ce qui est permis en islam, le divorce est la chose la plus haineuse, la plus déplorable.
parce que détester, ouais. Donc, quand on est ensemble, donc c'est la vie. Maintenant, donc lorsque les gens décident de se marier de façon temporaire, il y a quelque chose qui est caché. Et comme on dit, Wakou le Colin, ça dit, dit la parole avec franchise. Même ceux qui acceptent, parce que peut-être pas contrainte, compte tenu d'un problème circonstanciel. Elle dit, bon, où mettre ma tête, j'accepte. Mais c'est risquant pour la vie des deux, parce que elle se dit, bon, au moment qu'il voulait s'en débarrasser de moi, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce qu'il a mis la vie à la justice? Est-ce qu'il nous, ce n'est même pas le moment? Ouais, le moment qu'on veut vivre la vie, c'est ça qui nous amène à sympathiser. On dit, mon conjoint, ma conjointe a des problèmes. C'est-à-dire que c'est une partie de mon corps qui sent le problème. Mais alors que je sais que lui, là, c'est pour, c'est-à-dire de façon temporaire, c'est pour régler un problème. Ça donc, ça veut dire que son existence, sa vie ne m'intéresse pas de trop. D'accord. Merci, M. Sousson. Donc, maintenant, pour finir, on va parler de, avant de venir au mot de fin, on va parler de mariage mixte. Oui. Mariage mixte entre personnes de différentes ethnies ou bien de différentes religions. Qu'est-ce que l'islam en dit? Est-ce que c'est encouragé? Bon, là, l'islam, d'abord, c'est une religion universelle qui combat le racisme, l'ethnocentrisme, le régionalisme. C'est-à-dire que le mariage entre des personnes de sexe opposé, bien sûr, de différents milieux, de différentes religions, est autorisé et même encouragé. Et on va voir que le prophète a marié des femmes de différentes tribus pour pouvoir les réconcilier. Oui. Maintenant, quand il s'agit du domaine religieux, c'est-à-dire que l'interdiction est stricte et formelle. Parce que c'est pas autorisé. C'est pas autorisé. Dans le Coran, par exemple, chapitre 2, verset 222, Allah dit, n'épousez pas des femmes idolâtres. Par exemple. Okay. Hein? Voilà. Oui. Okay. Donc, il dit que même une servante, une esclave, ou bien du côté masculin, un esclave, vaut mieux qu'un idolâtre, ou bien une idolâtre, parce qu'il dit, oulaïka yadouna ilanar, que tout cela attire vers le feu. Donc, on peut arracher à quelqu'un toute chose, mais la spiritualité est forte. Maintenant, lorsqu'il s'agit des gens du livre, donc aussi là, la permission est donnée dans le Coran, chapitre 5, verset 6. Les gens du livre, les gens, c'est-à-dire les chrétiens, les juifs, tous ceux qui ont reçu le livre avant nous, le mariage est autorisé, mais il faut être prudent parce que c'est un peu dangereux pour élever les enfants qui peut-être se trouvent dans ces gens de foyer où le papa aujourd'hui les amène à la mosquée, trois jours après, la maman les amène à l'église. Sur ce point précis de mariage mixte, le ministère nous a déjà éclairé. On n'a pas de, ce n'est pas interdit de marier des gens de différentes tribus que je marie. Mais par contre, il y a au niveau de religion, il y a certaines spécificités que le ministère a rappelé. Maintenant, on va conclure. Quel est le mot de fin? Surtout, monsieur, vous m'avez promis que vous allez m'expliquer ce que c'est que la chasteté comme, et le problème de moyens avant le mariage. Mais vous concluez, vous allez faire votre conclusion d'abord. Ok, en fait, le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam nous a fait comprendre que lorsque vous rentrez dans la bannière de l'islam, il n'y a plus de barrières de religion, de race, d'ethnie, etc., etc. Okay. Donc, il a si bien montré par son propre exemple, lorsqu'il décida de marier son esclave affranchie Zaïd avec sa nièce, avec sa cousine Zainab. Et il les a mariés pour rélever un peu, un ton soit peu, le statut des esclaves, en fait, à l'époque du Saint-Prophète Mohammed, où les esclaves avaient très peu de valeur aux yeux des hommes qui estimaient qu'ils étaient nobles. Merci donc, beaucoup, frère. Cet exemple doit être suivi par nous qui disons que nous sommes musulmans, n'est pas écarté certains peuples estimant que c'est la basse classe. Lorsque nous entrons dans l'islam, comme le missionnaire venait dire, aucun aspect du racisme ne doit être toléré. Comme vous avez déjà canalisé, c'est que les moyens ne doivent pas être source, c'est-à-dire que ne doivent pas être prioritaires. Pour dire que c'est avec les moyens qu'on va se marier, quand on aura des moyens. Et donc, je voulais savoir, qu'est-ce que vous mettez dans moyens? Est-ce qu'il faut forcément être riche avant de... C'est justement ça, car les gens pensent que
il faut être tellement riche. Mm. Ouais, le problème, l'homme n'est jamais, ouais, Dieu m'a dit, Al-Hakum Takasu Atazurutu Makobir. Donc, la rivalité dans l'augmentation des biens vont nous détourner de Dieu jusqu'à ce que nous allons rentrer dans les tombes. C'est-à-dire qu'il n'y en aura aucun moment, aucun chef d'entreprise, que le soir, les gens, ses ouvriers, ses travailleurs viennent nous rendre compte, ils disent non, je suis tellement satisfait, prenez ça. Donc, c'est-à-dire que, si on va faire la rivalité, on va mettre le matériel devant, on n'en finira jamais, c'est-à-dire qu'on ne va jamais se marier. Maintenant, pour la chasteté de façon brève, c'est que la chasteté, les gens ont tendance à confondre la virginité et la chasteté. Voilà. Quelqu'un qui est déjà marié, quand il respecte les normes, quand il respecte les pressions divines en ce qui concerne le mariage, le fait qu'il s'est déjà marié ne veut pas dire qu'il n'est pas chaste. Oui. Voilà. Voilà, je voulais juste ajouter quelque chose dans ce que le missionnaire Ibrahim Abdelaziz vient de dire. Le prophète Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam a parlé de moyens, mais il n'a pas forcément parlé de moyens financiers. Il a parlé de moyens de façon générale. La maturité aussi est un moyen. Si vous n'êtes pas mature, jeûnez jusqu'à atteindre la maturité. La maturité d'esprit. Et mariez-vous également. Merci beaucoup. Voilà qui est clair. Merci beaucoup, frère Lukman. Merci au missionnaire Abdelaziz Ibrahim. Chers téléspectateurs, merci pour votre fidélité à notre émission. Nous vous revenons très prochainement pour un nouveau numéro, beaucoup plus attrayant et beaucoup plus intéressant. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La ila 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 la ila 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 la ila ila la ila 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 la ila 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 la ila ila la la ila ila ma o ma do to vi no vi ma di vi ma tin da we to ma o ma do to vi no vi e ma di vi ma tin da we to wiro po no we yi ma u wiro po no we da gbe lo bu so.